Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Carucaraland. Le parc Carucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Carucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Carucaraland, c'est aussi Carucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'être à cette première conférence de presse de cette première édition de la CAP Martinique. Je vais juste dire deux mots et laisser la parole à un concurrent de cette course. Mais avant de vous laisser la parole, on fait passer le teaser. On va vous donner une petite mise à l'eau, hein, pas de mise en bouche, mais une mise à l'eau. Et puis ensuite, on aura quelques mots de Tristan. On y va ? On peut lancer. Je ne sais pas si vous m'entendez à la Martinique, il y a un petit écho quand je parle, mais je suis ravi de prendre la parole, merci de me donner la parole. En tant que skipper, et puis effectivement je suis content de prendre un petit peu de temps dans ma vie professionnelle, parce que je suis un skipper amateur mais je travaille par ailleurs, donc je vous laisserai parce que j'ai un autre boulot dans la vie, mais dans trois semaines le départ de cette course qu'on attend avec impatience parce que ça fait quand même deux trois fois qu'elle est remise et on sait pourquoi, donc la récompense est bonne de se dire que la perspective d'arriver en Martinique arrive, si on arrive jusqu'au bout, mais en tous les cas je vais m'y employer. Et très heureux d'y participer, c'est ma première transat dans une course qui est pour l'instant parfaitement organisée. Donc je tiens à remercier largement Thibaut et puis toute l'organisation et Jean-Philippe pour tout ce qui est fait parce que nous skippers, on attend ce moment, on se prépare beaucoup et toute l'organisation est derrière nous pour nous aider dans nos préparatifs pour cette aventure qui est importante pour une première transat, comme je vous le disais, et également de pouvoir mettre en valeur des causes. Parce que l'originalité de cette course est aussi de soutenir chacun une cause. La cause qui est la mienne, c'est une cause un peu complètement sociétale, c'est de soutenir les entreprises du patrimoine vivant. Je sais qu'il y a une belle entreprise du patrimoine vivant en Martinique qui est Naisson, une distillerie magnifique. Et je soutiens cette cause parce que c'est les entreprises du patrimoine vivant, c'est l'emploi local. Et je pense que c'est une base de reconstruction d'une industrie qui est absolument nécessaire dans le monde dans lequel on vit, de fabriquer localement, en tous les cas, à côté de là où on vend. Donc c'était juste l'occasion de vous dire ce petit message. Merci de votre accueil, très humblement en tant que skipper et tout à fait amateur. Donc j'espère que j'arriverai dans les premiers pour vous revoir à la Martinique. Et merci encore au comité. Tu nous avais dit que tu arriverais à temps pour ouvrir le bar. Donc on compte sur toi très vite. Ça reste une ambition et je m'y emploierai autant que possible. Merci Tristan. Merci Tristan. Et c'est vrai que ce sera une arrivée dans une des plus belles baies du monde. Et c'est vrai que voilà, ça va être un spectacle absolument magnifique. Cette course Trinité sur mer via Fort-de-France qui partira le 1er mai. Comment se présente cette première édition Cap Martinique et pourquoi le choix Trinité sur mer ?
Alors, le Cap Martinique, il y aura 40 bateaux au départ, ce qui est énorme pour une première édition. Et on a choisi la Trinité-sur-Mer parce que c'est tout de même l'une des plus belles baies du monde. C'est un peu la capitale de la voile amateur en Bretagne, et voire en France. Et c'est la première fois qu'une transatlantique part de la Trinité-sur-Mer. Donc ça nous a paru être un très bon choix. Et en tout cas, aujourd'hui, on ne le regrette vraiment pas. Organiser une course comme celle-ci, c'est vraiment mettre la Martinique sur, on va dire, le podium des destinations mondiales qui peuvent accueillir des magnifiques transats. Comme vous le savez, on a accueilli il y a un an la Transat Jacques Vabre pour la première fois. Et là, effectivement, donc Transat Jacques Vabre qui est une course professionnelle. Et là, tous les deux ans, nous aurons le bonheur d'accueillir la CAF Martinique qui est une course d'amateurs. Et donc c'est vrai que ça sera vraiment un duo juste exceptionnel pour la destination. Ça positionne la Martinique comme une terre de nautisme en capacité d'accueillir des transats internationales. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Nous utilisons pour faire rayonner la Martinique des événements sportifs. Les événements sportifs sont vraiment des vecteurs de rayonnement de la destination. Donc évidemment, le nautisme. Et on le verra aussi tout à l'heure, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Pour nous, c'est important que la Martinique soit une destination en soi et non pas juste une escale pour aller aux Grenadines. Et d'ailleurs, on a, j'en parlerai un petit peu plus tard, on a toute une campagne qui met en valeur, qui s'appelle en fait la Caraïbe en une seule île, et qui invite les visiteurs de la Martinique à louer un bateau, par exemple, un voilier, faire 10 escales autour de l'île. C'est vrai que la Martinique, elle est petite, certes, mais extrêmement variée. Et donc, vous avez des plages de sable blanc, de noir, la montagne, les volcans, le sud qui est un petit peu plus, alors je veux dire un peu plus plat, pas vraiment, parce que la Martinique a beaucoup de petites collines dans le sud aussi. Mais en tout cas, vous avez des paysages qui sont complètement différents. Et c'était important, en fait, de pouvoir inviter nos visiteurs à découvrir ce paysage varié. Et puis à rentrer dans les terres, aller visiter nos distilleries et déjeuner et dîner dans nos restaurants. Voilà. Cette course, c'est une course d'amateurs, donc qui part de la Trinité-sur-Mer le 1er mai. Nous envisageons d'avoir les premiers arrivants vers le 21 mai, à partir du 21 mai en tout cas. Donc une course d'amateurs, et c'est assez génial, puisqu'en fait vous avez mentionné que nous avons accueilli la Transat Jacques Vabre donc l'année dernière, au mois de novembre dernier. Et bien donc tous les ans, puisque la Transat Jacques Vabre sera tous les deux ans, et aussi la Cap Martinique, et bien tous les ans nous aurons une grande course, une grande transatlantique qui arrivera dans la baie de Fort-de-France, une des plus belles baies du monde, comme vous le savez. J'élargis la Trinité-sur-Mer, bien sûr, mais plus largement le territoire du Morbihan. Nous sommes deux terres de nautisme, et j'ai compris que la Martinique faisait un focus particulier sur le nautisme avec des objectifs forts de développement. C'est le cas aussi chez nous. Donc deux territoires de nautisme, deux des plus belles baies du monde, et puis deux équipes locales très motivées et enthousiastes. Donc ça fait déjà un beau binôme pour être à peu près certain que ça va être une réussite. Alors pourquoi j'ai embarqué tout de suite sur le bateau Cap Martinique? C'est parce que étonnamment, c'est la première transat qui part de la Trinité, alors qu'on dit la Trinité, la Mecque de la voile. J'aime pas beaucoup ce terme, la Mecque de la voile, mais enfin, une référence de la voile, mais en réalité, jamais une transat n'est partie de la Trinité-sur-Mer. Donc évidemment, pour nous, c'était un événement majeur. Ce à quoi je tiens beaucoup, parce que je fais partie des amateurs, alors pas forcément des amateurs éclairés, mais je navigue beaucoup, et la caractéristique de rassembler des amateurs, ça aussi c'est extrêmement fort pour l'avenir du nautisme, parce que c'est une attente, enfin c'est une population sur laquelle il faut beaucoup miser, me semble-t-il. Alors je suppose que ça demande une très bonne organisation au départ, mais comme à l'arrivée au niveau de Fort-de-France, comment les choses se sont déroulées pour la Transat Jacques Vabre?
compte tenu des événements que nous avons traversés à cette époque, vraiment, on a vraiment performé. On a prouvé au monde que nous étions en capacité, que la Martinique était en capacité d'accueillir une des plus grandes transats internationales. Et c'est vrai que bon, les événements ont un peu gâché la fête, mais pas la course, ce qui était vraiment important. Ils n'ont pas non plus entaché la sécurité. Hein, donc ça, c'est vraiment très important. Tous les concurrents étaient ravis de la course, de l'accueil et de l'infrastructure. Parce qu'il faut quand même se dire qu'on a installé une marina flottante dans la baie de Fort-de-France. Donc c'était vraiment incroyable de pouvoir faire ça en très très peu de temps. Et donc c'est vrai que la Cap Martinique va bénéficier eh bien, de cette expertise que nous avons acquise avec donc, la Transat Jacques Vabre. Et donc là, nous aurons donc, un dispositif qui sera un peu moins important sur la baie, mais quand même, nous aurons cette marina flottante qui sera installée pour accueillir donc, des bateaux un peu plus petits. Hein, c'est des amateurs, on est sur des bateaux de 10-12 mètres. Mais il était important, si vous voulez, que les Martiniquais puissent eh bien, rencontrer... Toucher presque du droit. Mais bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec les événements qu'on avait connus au mois de novembre, bon, c'était un petit peu plus compliqué en termes de sécurité, mais là, les choses se sont quand même très apaisées. Et on a organisé énormément d'activités nautiques pour nos compatriotes martiniquais, parce que cette course, c'est avant tout leur course. C'est avant tout la course des Martiniquais. Et donc, en fait, on a organisé énormément d'activités pour attirer, évidemment, les familles, les enfants, les parents. Il y aura une course de yole à la fin du mois de mai. Donc, il y aura plein de choses très intéressantes et qui vont permettre aux Martiniquais de rencontrer les skippers, de pouvoir leur parler, de pouvoir échanger sur la traversée. C'est ça aussi, c'est très important, cet échange. Il doit être extrêmement dynamique et il doit permettre aussi à cette course de pouvoir continuer pendant plusieurs années. Thibaut, qui est l'organisateur de la course, et donc nous sommes les deux principaux partenaires de ce bel événement. Et je te laisse donc la parole pour que tu nous expliques comment va se dérouler cette magnifique course. Merci François. Alors déjà, un peu d'histoire. D'abord, je voudrais dire merci au Yacht Club de France de nous accueillir. C'est certainement ici le lieu le plus prestigieux en termes nautiques ou de la voile dans la capitale française. Sachez que c'est aussi le siège de l'Union Nationale de la Course Large, l'UNCL, qui est l'autorité organisatrice de la Cap Martinique. C'est aussi le siège de l'association Team France. C'est un lieu tout particulier. La dernière fois que j'ai fait une conférence de presse ici, c'était avec Franck Camas pour annoncer notre engagement, l'engagement de Noroto sur la Coupe. Voilà. Un peu d'histoire, je disais, au Spi West France 2019, Jean-Philippe Co, qui était à l'époque président de l'UNCL, et moi-même, nous courions en double. Alors, nous sommes des marins, nous sommes des fanatiques de la mer, et on a beaucoup couru. Et plusieurs amateurs sont venus nous voir en disant, mais est-ce que vous pourriez nous organiser une transat sans escale, une transat en non-stop, puisque, en fait, à l'époque, il y avait la G2R, pour ceux qui connaissent un peu la voile, qui hésitait à accueillir les amateurs, mais bon, c'était finalement, ça a été refusé parce que c'était trop compliqué. Voilà, on a eu plein de demandes ce jour-là, c'était le vendredi. Le vendredi soir, on va dîner à deux, et puis là, on décide d'organiser la course. Alors, quand on se le dit, bah, après ça, c'est parti, hein, ce sont des paris complètement idiots. Heureusement qu'on ne savait pas le boulot que ça allait être, parce que sinon, je crois qu'on ne l'aurait jamais fait. Alors, d'autant que nous sommes, je le rappelle tout de même, bénévoles totalement. Nous serons aidés par une équipe de bénévoles aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Je crois que c'est important de le rappeler. Ce qu'on a tout de suite imaginé, c'est quelques mots-clés. D'abord, le côté course pour amateurs. Amateurs sont des gens qui ne vivent pas, qui n'ont pas pour profession d'être skipper ou coureur au large. En solo ou en duo, parce que ce sont... des catégories qui grimpent fortement dans les statistiques en voile, non seulement en France, mais également à l'étranger, en particulier en Angleterre. Et sur des monocoques, et je vais y revenir. Alors, quelques mots-clés, la convivialité, parce qu'une course amateur sans convivialité, ce ne serait plus une course à la voile. La sécurité,
à commencer par le respect intangible des règles de sécurité, une qualif obligatoire pour tous les concurrents, donc 300 000 nautiques, hein, il y en a un, le dernier qui vient de la finir, l'a fini hier matin, pour information, c'est Étienne Lefort qui a traversé le golfe de Gascogne pour rejoindre l'Orient, en partant samedi midi, voilà. Troisième point, après la convivialité et la sécurité, une organisation professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas, autant c'est une course pour amateurs, autant on voulait que l'organisation soit vraiment de haut niveau. Quatrième mot-clé, c'est l'équité sportive. On courra en IRC, c'est-à-dire c'est une jauge hein, qui existe dans la voile, mais on a choisi de par exemple faire des pesées de bateaux juste avant le départ, des mesures de voile, etc., pour que les coefficients qui soient donnés à chaque bateau représentent la réalité de ce que sont ces bateaux. Donc on aura même, on va essayer d'empêcher au maximum le matossage. Vous savez, le matossage, ça consiste à déplacer des poids dans le bateau pour avoir la bonne gîte ou le bon angle par rapport au vent. Et donc, par exemple, les bidons d'eau sont attachés et plombés, de façon à ce que personne ne puisse vraiment tricher. Bien sûr, les moteurs seront plombés, hein, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un petit coup de marche avant ou de marche arrière, surtout pour éliminer les algues. Et puis, quand on s'est dit tout ça, on s'est dit, ben, si on a 25 bateaux, on sera super heureux. Super heureux. Ben, on en a 40 au départ. Voilà. Donc, c'était bien, on avait l'idée de course, on avait les mots-clés. Et puis là, moi, j'avais été très impressionné parce que la Martinique avait organisé lors de la Foiling Week, en 2018, j'avais adoré l'accueil, j'étais parti là-bas avec Kamas et d'autres, et donc j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé la Martinique et ça a été un oui immédiat. Merci au comité martiniquais du tourisme de l'enthousiasme que vous avez eu à ce moment-là. Et voilà, donc déjà on avait l'arrivée. Après ça, il fallait avoir le départ, et là on a fait appel à plusieurs ports bretons du sud, hein, puisqu'on voulait se distinguer un peu d'une autre route qui part sur des bateaux de plus de 12 mètres, alors que nous, on est entre 10 et 12. Une course avec des amateurs. Amateurs ou professionnels, où est la différence, monsieur Derville? Les professionnels, ce sont ceux qui gagnent leur vie en faisant de la voile, alors que les amateurs, si je puis dire, ont un autre métier et font de la voile par passion. Ce sont des gens qui naviguent aussi très bien, parce que pour traverser l'Atlantique, il faut tout de même avoir un bon bagage technique. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté, mais en tout cas, ils ne gagnent pas leur vie grâce à l'activité nautique. Au contraire, je dirais même que souvent, c'est leur passion et c'est un peu leurs économies qui y passent. On parle d'amateurs, on peut imaginer que ça va être très très long, pas du tout. Il y a une arrivée prévue aux environs de... Alors, les premiers devraient mettre autour de 21 jours, ça c'est la statistique. Il y a deux choses qui peuvent faire varier cette statistique, c'est la météo et le talent des skippers. Évidemment, les bateaux sont des bateaux de course, ce sont des bateaux assez rapides, hein, mais qui sont en grand nombre sur nos côtes. Donc ce ne sont pas des bateaux non plus exceptionnels, ce ne sont pas des prototypes, ce sont des bateaux de série, mais rapides. Alors, ces événements nautiques peuvent être des atouts, on va dire, indubitablement pour l'économie hein, de l'île. Mais évidemment, puisque en fait tous les skippers, eh bien, ils viennent avec leur famille, donc ils sont accompagnés, eh bien, de minimum deux ou trois personnes qui vont rester au moins une semaine, en Martinique. Donc, ce sont des centaines de nuitées, d'hôtels, de gîtes, de villas, eh bien, qui sont générées avec l'arrivée de ces courses. Ils vont louer des voitures, ils vont aller manger au restaurant. Donc on parle de plusieurs milliers d'euros qui vont être dépensés par ses accompagnants. Mais je crois que la Martinique a des atouts fantastiques. C'est une terre de nautisme privilégiée. Il y a la mer tout autour, déjà. Vous avez des installations qui sont magnifiques, que ce soit à Fort-de-France, que ce soit au Marin. On peut même imaginer qu'il y a encore beaucoup plus de nautisme, même dans le port de France, qui aujourd'hui est principalement un port de commerce. Mais on peut imaginer que demain, on puisse développer une activité de plaisance ou de voile dans ce port magnifique. Cette baie de Fort-de-France dont on parle tant.
Cette baie, elle est magique. Et ce qui est magique, c'est l'accueil des Martiniquais. Les autres événements à venir, notamment l'événement, cette course des Yoles qu'on n'a pas eu l'an dernier, ça va être l'événement, je suis pour cette année à la Martinique. Alors, c'est très important parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu un tour des Yoles en Martinique. Et vous savez que le tour des Yoles en Martinique, c'est quelque chose. Et donc là, en fait, tous les Yoleurs sont extrêmement excités par le fait qu'on puisse enfin organiser le tour dans de bonnes conditions de sécurité. C'était avant tout le problème. Et ça a été quelquefois mal accepté par les Martiniquais parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'est vrai que c'était avant tout, la sécurité ne pouvait pas être vraiment assurée. Et là, enfin, on va avoir notre tour des Yoles de nouveau à la fin du mois de juillet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.